J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans un retour de course. Hashtag 2. Parce que je viens de sortir les enfants, il faisait trop de bruit. Donc du coup, j'ai déjà fait une intro, je ne sais plus. Donc du coup, je vous mettrai l'intro, enfin soit je me débrouille. Donc voilà, donc du coup, j'étais au fait qu'il avait pris du Nesquik Wake Up. Je ferai un cut, on se débrouillera. Wake Up Your Milk. Alors ne me demandez pas la différence. Tout ce que je sais, c'est que c'est du cacao et que ça va être emmené dans du vinaigre et que ça fera son taf. Donc voilà, monsieur s'est fait plaisir, malgré que, comme vous l'aurez vu dans mon vlog, il fait son café à quatre pattes. Il s'est quand même fait plaisir, en fond. Donc voilà. Mais vous verrez à la fin du vlog qu'on a trouvé une solution. Donc il a repris les traditionnels café au lait. Il a repris cappuccino. Il a repris café latte macchiato. Et il a repris du lango. Donc voilà, voilà. Je vais me mettre comme ça il s'est passé derrière. Et moi je suis toujours entre. Et il a pris du lango. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui suivent seulement mes retours de course, nous nous sommes offerts un Dolce Gusto pour Noël. Donc voilà, voilà. Du coup, ensuite, je lui avais demandé de reprendre du fromage de chèvre. Parce que j'aime bien me mettre du fromage de chèvre dans mes préparations. Style dans les pâtes ou dans les légumes, j'aime encore bien. C'est un petit truc que j'ai pris. Il a pris du créfet comme ceci, avec, voilà, c'est aux fines herbes et à l'ail. Et hey. Je vous jure, lui, il y était. Attention, il tombe. Il était allé chercher des trucs dans mon dos. Oh, je vous jure, lui, il est allé s'acheter un nouveau... Un étagère, je vous le montrerai après. Il s'est acheté un étagère pour mettre la nouvelle Dolce Gusto, pour pouvoir récupérer son vieux truc brun, pour mettre sa sensation. Ou tu fais l'inverse? Non, c'est pour moi celui-là. Ben oui. Oh, ça doit être. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon, merci. Donc voilà, il a repris du créfet, je vous montrerai ça après. Il a repris du créfet. Comme ceci. Alors ça, j'imagine que je vais tartiner mes petites tortillas. Là, vous voyez, enfin, c'est les crêpes qu'on fait, les wraps. Je vais tartiner ça et mettre ça avec quelques morceaux de jambon ou quoi dedans. Ça peut le faire tout à fait. Ensuite, il a repris deux paquets de mousse au chocolat. C'est-à-dire, ça fait 8-16 mousse au chocolat, sachant qu'Angelina mange une mousse au chocolat par jour, le matin. Donc voilà, voilà. Il a repris également deux paquets de jambon, il m'en reste encore deux, mais je vais faire des croques monsieur, donc c'est bien. Je viens d'en avoir repris parce que je vais faire des croques. Je suis en train de faire à souper en même temps, donc il y a la poêle, donc du coup c'est un peu compliqué. Il a repris quatre crèmes liquides, ça aussi pour les préparations, et puis je vais faire de la crème au chocolat avec le Tefal Maker. Donc du coup il me fallait de la crème liquide pour ça. Il a repris notre lessive habituelle, l'Ariel Color, comme ceci. Elle est très très bien, et franchement Alessandro la supporte super bien. Il n'a pas de rougeur, il n'a rien du tout avec, donc du coup on continue avec ça et le soupline en adoucissant. Et touchons du bois, Alessandro n'a plus eu de rougeur, mais visiblement c'était pas du tout une allergie, c'était, je vous ai expliqué ça dans un vlog, allez voir le vlog, vous verrez. Il a repris 4 jus d'orange et il a repris 4 jus de pomme, sachant que mes enfants boivent beaucoup de jus. La journée c'est quasiment que jus d'orange et jus de pomme, ils boivent rien d'autre. De temps en temps un verre de grenadine, mais c'est que ça. Ensuite il m'a repris 2 paquets comme ceci de chocolat, justement parce que j'ai vu plein de petites recettes, parce que mon chéri m'a offert le Tefal Maker à Noël. Si vous ne suivez pas mes vlogs, comme ça vous êtes quand même au courant, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne regardent que les retours de course. Ils m'ont offert le Tefal Maker et donc je vais faire des recettes du Tefal Maker. Et il me fallait du chocolat au lait pour faire une crème chocolat au lait, et j'ai vu qu'il y avait des cœurs coulants, ça a l'air trop trop bon au chocolat, donc essayons. Ensuite il a repris 3 pains tigrés comme ceci, vous savez, on les surgèle et on les sort quand on n'a plus. Et voilà, c'est très très bon ainsi. Enfin, moi je suis pas très pain, donc je ne saurais pas vous dire, mais enfin ils m'ont dit que eux ils sentaient pas spécialement le truc. Ensuite, il a repris des oikos. Je ne vais pas vous dire combien de pots il a repris, parce qu'ils sont là. 1, 2, je pense qu'il a repris. Il a repris 3 packs d'oikos. C'est plus léger pour montrer, merci. Il a repris 3 packs, il a retiré la commande, comme ça je vous montrerai juste la boîte. Il a repris 3 packs d'oikos comme ceci, sachant que moi j'en mange un le matin, et bien souvent j'en mange un en dessert ou vers 3h30, comme ça j'en remange un. C'est trop trop bon, donc il a pris fraise, parce que moi je kiffe fraise, mais l'autre fois il avait pris fruits, je crois qu'il avait pris blackberry, ils n'étaient pas mauvais non plus. Donc voilà, voilà. Il a repris 2 paquets de gouda, voilà.
parce que ben, j'ai les enfants à la maison pour l'instant. Moi, je mets ça dans les wraps avec du fromage et du jambon et je fais chauffer mon wrap le midi. Et c'est très très bon. On en met aussi dans les tartines parce que les enfants, ils aiment bien les tartines au boudin. Donc voilà. Ensuite, il a repris un paquet de flans comme ceci au caramel. Ça, c'est pour les loulous. Il a repris du beurre doux parce que je lui ai dit que je voulais faire de la pâtisserie vu que j'ai reçu le Tefal Maker et que c'est, j'ai envie d'essayer de faire un peu de pâtisserie. Donc, il a repris du beurre doux pour faire des petits gâteaux avec ma Tefal Maker. Il a repris un paquet de mes Mellow Cake. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer la commode. Enfin, je vais vous montrer la boîte de la commode parce qu'elle est en train de se faire monter. Mais voilà, il a pris ceci pour mettre dans le... là. Et pour mettre la Dolce Gusto, c'est ça hein. Oui, je ne veux pas mettre ma Dolce Gusto dessus, il veut mettre sa Senseo. Donc voilà, mais sachant qu'on a racheté une nouvelle Senseo, enfin j'ai commandé la Senseo aujourd'hui, blanche, comme ça, elle ira avec la Dolce Gusto, elle ira avec tout, parce que, en fait, nous, quasiment tout est blanc. Il y a une tache sur l'écran, j'ai flippé, j'ai cru qu'il y avait une tache derrière moi depuis le début. En fait, c'est sur mon écran, il y a une petite tache. À mon avis, c'est Angie ou c'est le bébé, je ne sais pas. Parce que j'ai pris le bébé tantôt pendant le vlog. Donc voilà, voilà. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Elle est très belle, en tout cas, la commode. Merde, l'amour. J'en avais vu une, hein, j'allais l'acheter sur Lidl.shop, mais celle-là est encore un peu plus jolie. Donc voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais vous prendre au sol et on va aller regarder les boissons. Parce que j'ai pas envie de porter toutes les boissons. Donc on va s'asseoir au sol. Quand j'ai trop de boissons, c'est ce que je fais. Bienvenue chez moi. Donc elle a repris 4 packs, vous les voyez, ils sont là, 4 packs de spa. Pourquoi? Parce qu'on en boit avec la grenadine, parce qu'on en met dans le bibi du bébé et parce qu'on en met dans notre Dolce Gusto pour ne pas qu'elle soit pleine de calcaire. Donc il nous en faut beaucoup d'eau de spa. Et que c'est une eau belge qui est faite en Belgique, dans notre saint pays. Et donc circuit court oblige. Il a repris 4 bouteilles, oui j'étais en train de faire mon lâche. Il a repris 4 bouteilles de coca. Il a repris des pommes persoïdes pour le bébé Sandro, taille 4. Il a repris un pack de lait. Pour Angelina dans ses biberons, pour les petites, de temps en temps, se font une petite boisson au lait. Et moi, je me demande si je vais pas refaire des milkshakes parce que j'ai envie de milkshakes. Ensuite, il a repris un pack complet de CCML. Il y en a encore, mais il a repris un pack complet de CCML. Il a repris du papier cul, hein, obligatoire, les amis. Et ensuite, il a repris un pack de normal et un pack comme ceci de coca pour nous le soir. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà pour ce qui était de ce retour de course. Je suis au bout de ma vie. En tout cas, la commode est très très jolie. Regardez. Voilà. Et ça va nous servir pour mettre la Senseo de mon chéri. Alors, du coup. Et alors, il y a des bacs en tissu à mon avis en dessous, c'est ça? C'est des bacs en tissu, hein? Ouais, c'est des bacs en tissu en dessous. Dans lesquels on pourra ranger les capsules, etc. qu'on a en surplus. Parce que le rangement que j'ai là, il est un peu, vous voyez derrière moi, la Dolce Gusto, elle est mise sur le tiroir. Mais on ne sait pas mettre beaucoup de capsules. On a un pot supplémentaire pour mettre des capsules dedans. Mais voilà, donc du coup, on va faire un petit rangement. Je vais mettre ça en ordre. Et vous verrez ça demain. Donc c'est un meuble moderne pour le salon, la chambre à coucher ou le couloir. Voilà. Structure en acier. Ah, c'est en acier? Ouais. Waouh. Donc voilà, voilà. Donc du coup, vous verrez ça dans le vlog de demain, parce que je vais clôturer le vlog avec le montage du meuble. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je fais des stories, je mets beaucoup de photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche de notification, à commenter parce que je réponds à toutes les questions et à tous les commentaires. Et si je ne réponds pas tout de suite, en mode, je mets un cœur pour voir, pour vous montrer que j'ai bien vu votre commentaire. Et je réponds parfois tout de suite, parfois deux jours après. Mais en tout cas, dans les deux jours que vous avez mis votre commentaire, vous avez votre petite réponse. Donc voilà, voilà, moi je vous fais de gros bisous. Profitez bien des fêtes, profitez des vacances. Et protégez-vous, protégez les gens que vous aimez, passez du temps avec les gens parce que, comme on sait, ça s'arrête très très vite et on ne sait pas de quoi demain est fait, donc profitez à fond, à fond, à fond, à fond. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain dans un nouveau vlog.